Nouvelle survie sur Scrap Mécanique. On vient d'atterrir sur notre petit vaisseau, bien sûr. Bienvenue à vous qui regardez cette vidéo sur YouTube. Et bien sûr, n'oubliez pas le petit like, hein. Ça, c'est cool. On va commencer par aller visiter le vaisseau. Des pneus ici, de l'essence. Alors, comme à l'accoutumée, si vous avez suivi les lives précédemment, on va dire qu'on a commencé à s'entraîner pour vraiment le grand mode survie. Tu vois, c'était dans l'entraînement au début. C'était un petit peu un avant-goût, on va dire. On a une radio ici, on va prendre tous les mecs, hein. On fera le tri une fois posé là-bas, tu vois. Un casier, je pense vraiment que je vais le garder. Ça a été une grosse erreur de le déposer là-bas, tu vois. Je crois que ma map, elle a changé par rapport à la partie précédente. Et bien entendu, n'oubliez pas le petit lien G2A si vous voulez vous acheter Scrap Mécanique, hein. Vous avez le lien qui est dans la description, les mecs. Ah là, on démarre fort, les mecs. On a déjà, bien sûr, dans le début, un petit bâtiment à aller fouiller là-bas. On a déjà plus de 30 heures en mode survie avec la Jean-Jean mobile, tout ça, tout ça. Mais là, aujourd'hui, je vais vous montrer la Jean-Jean mobile 2.0, les mecs, hein. Eh, on se gave bien de coffres pour cette première partie. Attends, on dirait un commentateur de foot. Il fait la passe à Bichente. Bichente qui tape dans le coffre. Et on commence notre aventure déjà avec un saut. On va faire gaffe parce que peut-être même y avoir des robots en début de partie. On va complètement changer d'endroit, hein, j'annonce, hein. Je sais pas où est-ce qu'on va se mettre, mais on va changer d'endroit. Fais voir au niveau de l'inventaire. Ah ouais, ça va vite, hein. Ah, moi surtout, ce que je cherche, vous savez, c'est des petits circuits électroniques comme j'aime bien, là. Ceux qui vont nous servir à crafter. Voilà, ceux-là. Ça va nous servir vraiment à crafter pas mal de trucs. On va pouvoir faire un petit peu d'agriculture déjà pour commencer. Oh yes. Et oui, une petite pile dès le début. Donc on va voir s'il y a quelques trucs qui ont changé, les mecs. Voilà, nouvelle mise à jour. Nouveau jeu. On est déjà bien stuff, les mecs, hein. On va descendre. On va aller direct à la petite source à côté. Toujours, hein. Ça, aujourd'hui, c'est le guide du débutant, les mecs, hein. Donc toujours, on cherche la fumée du vaisseau. Comme ça, on sait où se trouve le tuto pour l'agriculture. Déjà, en commençant, vous avez un point d'eau qui est à l'entrée. Donc vous pouvez manger, vous pouvez vous substanter, machin nana, tout ça, tout ça. Un saut pour commencer. La poêle de chat, là, mon vieux, sur mon micro, là. Oh, pas mal, de l'essence pour commencer. Vous savez que l'essence, c'est très précieux dans ce jeu. L'essence est un mets très délicat à déguster avec modération. On peut presque crafter, les mecs, une première bagnole. Non, mais c'est dingue, hein. Quand tu sais ce qu'il faut faire, ça va vite, hein. On va prendre un petit peu de bois et on va très certainement aller au garage. Une Jean-Jean mobile avant, tu crois? Tu crois que je préfère une Jean-Jean mobile avant? Ah, ça va vite, hein. L'inventaire, là, il se remplit, mais à une vitesse. On va voir si on retombe. Déjà, regardez, il y a un bâtiment là-bas. Ah bah le Jean-Jean, tiens, regarde-le. Je me disais bien que j'entendais un truc qui me coursait, tu vois. Je me demandais d'où ça venait. Ah, ça pique un peu quand même. Regardez la map, elle est immense, gros. On va aller au garage, mais ce que je me demande, c'est est-ce qu'il y a un seul garage? Ça dégage. Tu te calmes. Voilà. C'est par ici ou c'est par ici? Je sais plus. C'est par ici. Tu pourrais faire un pont-levis avec déroulement. Oh, je crois que tu te rends pas compte de ce que tu me demandes, là. Tu te rends pas compte de ce que tu me demandes. Je pense pas que tu réalises. Dites-lui. Dites-lui, les mecs. Gros, j'en ai pour 30 heures à faire un pont-levis. Et puis le plancher, je le fais tout en bloc de ferraille. Avec des stacks de 256. Ok, on est au garage. On est au garage, les mecs. Une pile qu'on va s'empresser de mettre au garage. Il est bien notre Jean-Jean là. Il est tranquille, mon gars, au calme. Allez les mecs, cette aventure s'annonce complètement dingue. Donc vraiment, j'espère que vous allez nous suivre. Enfin nous, je suis tout seul. J'espère que vous allez me suivre. Voilà, une petite pile, nickel. Ok, on a déverrouillé le craft. Je vais voir ce qu'il nous faut pour faire un craft bot. Bah on pourrait jamais en faire un, de toute façon, là tout de suite maintenant. Putain, on n'est pas si loin que ça d'en faire un en vrai, hein. On pourrait presque en faire un limite. On va peut-être un petit peu s'installer au garage. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, nickel. Oh. Et bah voilà, regardez toute la ferraille qu'on a ici. J'adore les gens qui mettent dans le chat, tu sais. C'est des messages impératifs. Au lieu de dire, hey Jolate, tu voudrais pas jouer en FPS, s'il te plaît? Deux mots, le mec. Joue FPS. Voilà. Mange, bois. Que des impératifs, mon vieux, sur ce live. Respire. Allez, mon gars. Et pef. Souvenez-vous, la dernière fois, on a mis 10 heures avant de crafter notre premier craft bot. Oh yes, parfait, parfait. On va le laisser au garage. Alors, ces blocs-là, il faut quoi pour les faire? D'accord, il faut de la ferraille. Allez, on va en faire quelques-uns. On va se mettre bien, les mecs, au garage dans un premier temps. Oh, regardez, on a un bâtiment à visiter juste ici. Oh! 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 Je suis coincé! J'étais coincé, les mecs! J'étais coincé. C'est pas grave, c'est pas grave, les mecs. Ah non, mais je vais encore me faire shooter. Ah non, mais oh, là, je suis pas d'accord, mon gars. Oh. Ah, la bonne nouvelle, c'est qu'on va avoir pas mal de ferraille, tiens. Regardez, c'est pas là, vers là-bas que j'ai fait ma base, non? Putain, je sais plus, en fait. Non, non, c'est peut-être pas là-bas. Oh, pop, 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 pop.
Oh. D'ailleurs, je pense qu'on va faire une belle ferme cette fois-ci. Je dis pas qu'elle était moche, celle que j'avais fait. C'est pas très belle, quoi, c'est tout. Non, franchement, ça va, elle était bien. Ah, le garage, il est là-bas. What? Pas mal ce coin, les mecs. Une tour à côté, un rocher pour le miel, de l'eau. C'est stylé. Est-ce qu'on a de l'essence? Ah bah, s'il y a de l'essence. Oh putain, il y a de l'essence. Je ferais bien ma base autour de ce petit lac-là. Ok. Stylé, stylé. Hein. En plus, on serait pas si loin que ça du garage. Fais ta base sur le côté du rocher. Fais une jauge en mobile, fais ceci, fais des craft boats, des ressources, des raffineries, fais la jauge en mobile qui vole. Attendez les mecs, 2 secondes, je range un peu mes affaires là. Eh, pas mal hein, pas mal hein, j'ai 3 trucs comme ça. Et on a une vache, on va pouvoir commencer à se faire une ferme les mecs. Donc ça, ça va être cool. Ah oui, allez viens ma fifi, tu vas être bien. Voilà. On a notre première vache, allez les mecs. Allez maintenant, fais-moi du lait. Est-ce qu'on économiserait pas direct pour faire des gros pneus, tu vois? Déjà, on peut faire... Ok, on va upgrade déjà. Voilà, ça c'est fait. On va faire des blocs comme ça. Il nous faut du coup des blocs de bois comme ça. On va en faire quelques-uns. Oui, vas-y. Je vais te présenter une copine. Oh bah tiens. Oh là là, il y a du monde là, hein. Allez, déjà 4 vaches au garage, les mecs. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Quelle erreur. Quelle erreur. Bon, au moins, je récupère de la ferraille, tu me diras. Oh, regardez. Voilà, on y est. Regardez, ça, c'est du coton. Hop, c'en est. Là, au-dessus, je crois qu'il y a des nains dans les cages, là. Jamais encore été voir le marchand. Je sais même pas où est-ce qu'il est. Vous m'aviez dit qu'il était en haut d'une colline. Il a l'air d'avoir une belle colline, là. Comment on fait pour être modo? Tu es presque modo. Tu es quasi modo. Ah ma fifi. Ben oui. Allez, je retourne à la base. Si je la retrouve en fait. J'aurais dû laisser un sac au garage les mecs. Je vais avoir faim, je vais avoir soif. J'ai rien à manger. Où est le garage? S'il y avait une vache en cas d'urgence, là ça m'arrangerait. Une vache ou un coffre avec des fruits dedans. J'ai rien à manger, on est d'accord. Hein. J'y arriverai jamais. Sauf si je croise une vache sur la route. Oh là là, il est trop loin. Oh, il est trop loin. Il n'y a pas une vache là? Il est 4h du matin. C'est un beau lever de soleil pour mourir. Il est là-bas le garage. Il y a la lumière. Putain, il n'y a qu'une vache qui aurait pu me sauver quoi. Il faudrait que je laisse un sac ici là, tu vois. Il faudrait que je périsse de faim dans mon garage quoi, tu vois. Ah, ça va. Regardez, il est pas si loin que ça mon sac. Ah non, 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 non. Laisse la vache toi. Hein, tu dégages. Tiens, ma fifi, mange vite. Oui, c'est ça que je veux. Oh, comment qu'elle a volé sa tête, mon gars? Non, mais comment ça? Non, mais où est-ce qu'on craft, les mecs? Où est-ce qu'on craft? Où est-ce qu'on craft? Oh, lunatique, oh! Oh, 30 heures de live! Tu rigoles, peut-être, non? Hein? C'est comme si t'arrivais sur le jeu. Après 200 heures de scrap mécanique, après plus de 90 vidéos sur ma chaîne YouTube, tu me dis, il s'appelle comment, le jeu? Tomb Raider, le nouveau. Mais ça va pas, les mecs. Le nouvel Assassin's Creed, regarde. La mise à jour. Next Gen, il est bien, hein? Tiens, ma fifi. Tiens, mange. Jonas, je recherche le garage, tu peux m'aider? 30 heures de live, il y a 30 heures d'ordif les mecs sur la chaîne. Cherche, épisode 1, tu zappes, tu vas le trouver. Non mais les mecs, mais c'est une blague. Bon alors la bonne nouvelle c'est que quand on va rentrer au garage, on va avoir du stuff les mecs. Hein. Si on le retrouve un jour. Hein. Ce qu'il y a c'est que dès que je vois des trucs, je m'égare pour les ramasser, tu vois, direct. Donc ça me parle là-bas. Cet entrepôt là-bas à côté, plus celui-là, je crois savoir où est-ce qu'on est les mecs. Et si c'est bien là où je pense, où est-ce qu'on est, on est très loin du garage du coup. On s'est vachement éloigné du garage, si c'est là où est-ce qu'on est, tu vois. Ça me parle, ça. Ça me parle. J'avais fait ma base. Attends, ça me parle plus, là. Ça me parlait il y a 2 secondes, là. Ça craint. On est parti je sais pas où. Attends, je vais refaire le plein de lait. Je suis perdu, les mecs. Faut qu'on retrouve le garage. Exoking qui me dit, fais la batte mobile. Non, mais attends, vous faites exprès, les mecs. Oh! Oh, yes! On est sauvés! Oh, je reconnais. Ah non, je reconnais pas. Ah, ça, c'est une côte que la jauge en mobile, elle aurait jamais pu monter, mon vieux. Pas la première, en tout cas. La première, c'est sûr qu'elle aurait jamais pu la monter. Attends, je suis sûr que le garage, il doit être derrière cette colline. Putain, comment qu'elle est raide, celle-ci. Ok, on doit pas être loin du garage. Il est où, le garage? Où est le garage? Je sais même plus où est le garage. Tu vois ce que je veux dire? Laisse tomber, ça fait 2 heures qu'on cherche le garage. Je sais pas où est les mecs, j'ai perdu ma base. Attendez, déjà on a une route là. Vous êtes sûr qu'elle est pas derrière la colline? Le garage. Les mecs! Il est où ce putain de garage? J'ai jamais été ici sur la map, je suis perdu. Moi je suis perdu les mecs. Regarde sur Google Maps. Épisode 235, on a retrouvé le garage. Ah ouais, au moins, mon gars. Épisode 235, on a retrouvé le garage. Le pire, les mecs, c'est que souvenez-vous, j'étais mort pas loin du garage. Tu vois? Et au fur et à mesure, tu vois, c'est comme ça.
Moi, je suis comme un gamin qui pose ses yeux partout, tu vois. Je fais, oh, un coton, tiens, je vais là-bas. Oh, regardez, il y a un autre coton, je vais là-bas. Oh, un coton, oh, une fifi. Tu vois? Et je m'en vais, je m'éloigne du garage comme ça. Il y a un gros bâtiment là-bas derrière. Oh là là, regardez, mais ce serait génial ici pour faire ma base. Attendez, c'est pas l'endroit que je parlais? Souvenez-vous, j'avais dit au début, j'étais passé par un truc comme ça. J'avais dit, ce serait génial de faire sa base ici. J'avais dit ça. Et du coup, on était pas loin du garage quand j'avais dit ça. C'est cet endroit, il y avait même un panneau normalement. Il y avait une tour à côté. Ça y est, les mecs! Les souvenirs remontent! Il y avait un panneau à côté, si je me souviens bien. Attends, je m'en fous, je lâche pas cet endroit tant que j'ai pas trouvé le panneau, gros. Il y avait un panneau. Il y avait un panneau. Il y a pas de panneau. Il y a pas de panneau. Vous êtes sûr que c'était là? Je deviens fou, derrière. Gros, je deviens fou. Derrière toi, au loin, il y a un garage. Derrière moi, au loin, il y a un garage. Gros, tu te fous de moi? Tu veux juste me faire galérer que je monte en haut de la colline? Et arrive en haut de la colline, gros, je vais devoir faire demi-tour. C'est sûr, il y a rien là-bas. Il y a rien. Les mecs, je pense qu'il faut se résigner. On le trouvera jamais, ce garage. Faut recommencer la partie. Non, sérieux, les mecs. Faut recommencer. Moi, j'étais presque sûr, gros, qu'il y avait un panneau ici. Perdu à jamais, c'est mort. 300e épisode, j'ai trouvé le panneau. Ah putain, non mais sérieux. Je vais me noyer et puis c'est tout. Il me faut le garage, faut qu'on trouve le garage. Je vais voir mon sac et gros j'irai tout droit. Et arrive au sac, je fais demi-tour et je repars tout droit. Et tu vois, j'étais pas loin hein. Regarde. Ah si, j'étais loin, je pensais que c'était là-bas. Ah moi c'est là-bas le lac que je parle. Il est là-bas, c'est pas le même. C'en a un autre. Elle a changé la map. Oh j'étais à côté du garage les mecs. J'étais à côté du garage, les mecs! Ah non, pas du tout! Ah non, non, il est loin, mon sac! Il est loin, mon sac, gros! Là, c'est là qu'on va pouvoir faire les caisses de légumes et tout! Ah ouais, tu vois, en plus, tu la vois, la clé qui brille au loin, la grosse clé à molette, là! La map a changé, et la map est grande, gros! Bien sûr qu'il faut une charge en mobile pour se déplacer là-dedans! Regarde, il y a encore des collines là-bas et tout, c'est... Et il était là, mon fameux panneau! Et je suis sûr que mon lac... Mais c'était pas ce lac que je parlais, moi! Non, non, moi, je parlais de derrière, il y avait un autre lac. Ah, quand même, hein, putain, j'ai dévié, hein. Voilà, par contre, on va arriver au garage, à mon avis, ça va faire nuit. Oh là, elle est là-bas, la clé à molette, je la vois, t'inquiète, je la vois. Ça commence toujours comme ça, quand on se perd. Oh, tiens, un coffre. Oh, un coton à côté. Oh, regardez, un autre coton. Oh, tiens, il y a un coffre là-bas, voilà, tu vois. C'est comme ça que tu te perds en scrap mécanique. On va perdre au garage, les mecs, voilà. Moi, clairement, je perds au garage. Oh là là, elle a... Là, on va pouvoir crafter des trucs. On va pouvoir faire des blocs comme ça. On va upgrade. Hein. Allez, il me manque encore... Ah, il me manque 3 machins comme ça pour upgrade. On est bien équipés, les mecs, pour un début. Hein. Prochaine étape, on va crafter un moteur. Il nous faut une voiture pour aller explorer la map. Donc, il nous faut 5 essences, 5 trucs comme ça et 3 trucs comme ça. Ok, ça va être vite vu, ça va être vite vu, les mecs. Hein. Le garage, c'est temporaire, les mecs. Hein. Oh, un coffre. Oh, bah voilà exactement ce qu'il me fallait. Ouais, le garage, c'est très temporaire, les mecs. Hein. On ira bien sûr se mettre plus loin avec la base. Et j'aimerais bien me caler à un endroit où il y a de l'eau, tu vois. Il nous faut des coquillages et tout. Vraiment, le farm de l'essence. Farm de l'essence, farm des coquillages et tout. C'est extrêmement long pour l'utilisation... Pour l'utilisation qu'on en fait, tu vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est utile pour faire de l'essence. Mais l'essence, ça part extrêmement vite, gros, dans les moteurs. Mais c'est... Et plus tu mets du poids sur la jonjon mobile, plus elle tire dans les côtes, plus tu consommes. Faut faire des véhicules, mais faut utiliser les matériaux avec parcimonie, tu vois. Nous voilà retournés au garage. On va pouvoir faire un moteur. Pef! Ouais, ouais, c'est tout à fait ce qu'il y a. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, mais c'est artistique. C'est vrai, je pose nu sur Instagram. Mais c'est artistique. Voilà. Des fois, je suis comme ça, jambes écartées avec ma bouteille. C'est très artistique. Non, non, c'est vrai. Attends, j'arrive. Je veux m'abonner à ton Insta. Exo qui met avec ça un cœur et un clin d'œil. Ouais, il nous faut encore du bois, les mecs. Hein. Il nous faut encore du bois. Hein. Yo, Nolan, ça va ou quoi? Accepte Insta. Il est déjà pressé de me voir tout nu. Shodan, il est déjà pressé, mon vieux. Je l'ai ton Insta, s'il te plaît. La sœur bave déjà. C'est de l'art, les mecs, hein. Allez, on est bien, les mecs, là. On a pas mal de bois, là. 152, là. Là, mon gars, on va commencer à préparer la jonjon mobile 2.0, mon vieux. Je te le dis. Là, ça va péter, les mecs. Là, ça va péter, les mecs.